tel père, tel fils? Au sein de la maison royale d'Italie, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui très proche, le prince Emmanuel Philibert de Savoie et son père n'ont pas toujours entretenu des relations complices. L'époux de Clotilde Courau, qui fête lundi 22 juin son 47e anniversaire, a même pris ses distances avec Victor Emmanuel en 2006. À cette époque, son père était au cœur de nombreux problèmes judiciaires. Le 16 juin de cette année-là, il a été arrêté sur les rives du lac de Côme en Italie avant d'être emprisonné à Potenza pour association de malfaiteurs visant à la corruption et à l'exploitation de la prostitution. Il était alors soupçonné dans le cadre d'une enquête sur un trafic de machines à sous électroniques et le recrutement de prostituées pour un casino. Il l'ont attrapé comme un bandit, a dénoncé son fils Emmanuel Philibert. Je suis abasourdi, les avocats voient ce qu'il faut faire, mais tout cela n'a pas de sens. En 2010, il avait, comme 5 autres personnes, été acquitté par un tribunal de Rome. Le parquet les accusait d'avoir mis sur pied une association de malfaiteurs impliqués dans le secteur des jeux de hasard illégaux et dont l'objectif principal était de fournir des autorisations d'installation de machines à sous à travers le recours systématique à la corruption et aux faux documents. Mais son fils n'a pas attendu le jugement pour s'éloigner de lui. Il faut dire que ce n'était alors pas les premiers soucis judiciaires du prince Victor Emmanuel. En 1978, il avait passé quelques semaines en prison accusé d'avoir abattu un adolescent allemand d'un coup de fusil. Au terme d'une longue bataille, il avait été blanchi. Plus de 10 ans plus tard, toujours dans cette affaire, il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention et port d'armes par la cour d'assises de Paris. Il avait également choqué en 1997 en déclarant que les lois fascistes, approuvées par la maison royale de Savoie, n'étaient pas si horribles. Réconciliation familiale, mais depuis les démêlés judiciaires de son père, Emmanuel Philibert s'est rapproché de lui. Notamment pour le bien de ses filles. À la fin de l'année 2019, il avait d'ailleurs demandé officiellement à Victor Emmanuel de protéger Vittoria et Luisa en modifiant la règle de succession au titre de chef de famille et de tous les titres dynastiques qui incombent à cette fonction. Dorénavant, les titres familiaux respecteront la primogéniture absolue. Nous en parlions avec mon père depuis un peu plus de 10 ans, mais je lui avais demandé d'attendre, nous ne voulions pas que Vittoria et Luisa se retrouvent exposées trop jeunes, dans les médias, notamment, a ainsi expliqué le père des deux jeunes filles dans les colonnes de Point de Vue. Emmanuel Philibert de Savoie et son épouse, Clotilde Courau, ont estimé que leur fille aînée était prête à endosser un tel rôle et de supporter la pression qui va avec. Nous souhaitions, Clotilde et moi, que notre fille aînée se sente libre, et surtout libre de dire ce qu'elle pense. J'ai senti chez elle un peu d'appréhension, je dois dire que j'ai moi-même été un peu impressionné par l'ampleur que tout cela a prise en Italie. Le soir de l'annonce, elle est venue me voir et m'a dit, « Papa, je ne m'attendais pas du tout à ça, quelle responsabilité. Il faut que j'étudie encore davantage, il faut que je sois prête. » On your own, but